ça se démonte comme ça, clac, clac, c'est un mi-bois. Voilà. Et là, tu démontes et comme ça, tu peux mettre tes livres. Voilà, tu un petit chevalet, quoi. Oui, tu peux avoir tes bouquins. Oui, à dispo, ça peut être bien. Ça peut être sympa, ouais. Temps, de l'organisation, tu y arrives, t'es... Oui, bah, c'est dense. Uh-oh. La carlingue... Je vais me mettre là. Là, j'ai l'impression d'être dans une vieille épave. Ouais, mais j'entends ça aussi. Des fois, ça fait... Ça sent vraiment le calament, ça sent trop bon. Tu sens ? C'est l'odeur mentholée là qu'on sent. C'est le calament. Ouais, c'est cette herbe là. Ça sent trop bon. Et le millepertuis ? Ah merci, c'est le tremble. Ouais. Ah, très bien. Donc j'ai fait trois troncs, comme tu m'as dit. Oui, c'est vrai. Voilà. Et les racines, tu vois, j'aurais jamais imaginé que c'était comme ça. Non, mais les racines, c'est les peupliers, en fait, ont des racines qui suivent, en fait, l'eau. Et ça s'enfonce quasiment. Merci. Voilà. Après, il faudra la faire cuire, mais ils auront froid, mais tout disparaîtra. C'est vrai ? Eh ben oui. Oh non. Ouais, c'est ça. Mais c'est une forêt virtuelle. Voilà. Moi, j'aurais récupère mon petit vase. Bah, il est tordu, oui, il a donné une forme. C'est la forme qu'a pris la pâte, en fait, voilà. Donc, bah, on l'a laissé, telle qu'elle, hein. Il va pas être peint ? Non, il va être émaillé, après. Émaillé. Ouais, il va être émaillé pour qu'il soit étanche. Ça sera joli aussi, émaillé. Ça me fera un joli petit vase pour voilà. Chez moi. Voilà, ça tout à fait. C'était très sympa. Super, merci, Julien. C'est ça, hein ? Oui, oui. Ouais, j'ai mis ça, c'est nouveau. Ah, mais c'est Molly Nagy qui a fait ça sur le port de Marseille. Il est hyper bien celui. C'est un des premiers films ethnographiques des chantiers. Ok. Ouais, il date de 1920, un truc comme ça, en noir et blanc. On a toutes les grues à Marseille qui tournent et tout. C'est un très beau film. Il y a la table avec les 100 bornes dessus et les deux barres de son qui vont envoyer les conversations. Oui, c'est mieux. Je décide. Comme ça. Ouais, c'est génial ça aussi. Sans mettre le bas.
Juste, oui, juste on peut avoir une partie de haut, une partie de bas, une partie d'accessoires. L'idée, c'est qu'il puisse on peut aussi... lui mettre ça avec une toque qui irait avec. Ah ouais, c'est vrai que ça, c'est une ça, bonne c'est idée. Pas mal. L'idée, c'est aussi que cette pièce, elle soit pour eux des embrayeurs à les accessoiriser. Donc, ils vont aussi venir avec des choses qui leur appartiennent à eux. On peut avoir voilà, une partie... En fonction de ce qu'ils ont, on va essayer d'accorder... Super. Au fur et à mesure qu'on choisit, on mettra sur porte. Oh, ils vont passer devant un truc, ils vont dire « Ah, c'est beau, ça !» Voilà. Bon, en tout cas, c'est vraiment génial qu'ils puissent déambuler. Oui, mais avec nous. Oui, 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 ça j'ai bien compris. La carte postale, elle est divisée en trois bandes. Ça veut dire qu'il faut qu'on photographie horizontalement. Ah. Ok. Allez, super. Je peux me prendre. C'est nickel, ça allait parfait. Moi, je vais recadrer, donc on s'en fout s'il y a des trucs qui nous intéressent pas. Par contre, ce qui nous intéresse, il faut vraiment que ce soit dans le cadre, à savoir. Ouais, exactement. Parfait. N'importe quoi. C'est parce que Seb il voulait trouver une utilité à ces trucs. Et en fait c'est un porte-nez. Tu vois, aux poches. Et des mandibules. Tu vois, une sorte de porte-nez.